Voici l'histoire de la conquête d'une ville. Depuis 1944, trois maires l'ont dirigée. Trois maires seulement. Gabriel Montpied, Roger Quillot et Serge Godard, l'homme qui a conduit le tram. Trois maires, tous socialistes. Cette année, pour la première fois, le candidat n'est pas le maire sortant. Un air de renouvellement souffle-t-il sur la campagne et comment séduire les 75 000 électeurs clermontois? La politique est un sport de combat, parfois solitaire. Parfois, des candidats redoublent. Michel Fanger est candidat à la mairie pour la troisième fois. Savoir attendre est une vertu en politique. Bonjour madame. Merci. Vous habitez dans le secteur là, à La Gautière? Non, Montferrand. Montferrand, d'accord. Et vous êtes bien là? Vous êtes bien? Bien. Ouais. Il y a des améliorations à faire. Oui, oui. Voilà, je vous laisse un peu nos documents qui donnent une idée d'abord de ce qu'on veut faire. Hein, et du rassemblement qu'on a fait. Voilà. D'accord. Vous l'avez vécu comment, vous, cette mise en place de, les rythmes scolaires? Ça vous a apporté quelque chose de... Non? Ben, moi, pas mal, parce que on travaille tous les jours, donc... Oui. Vous l'avez vécu de façon positive? Plutôt, oui, parce plutôt que positive. On travaille... À 8h du matin, devant un groupe scolaire de Montferrand, le centriste doit aller vite avec peu de mots pour convaincre. Mais l'école est un passage obligé. Ne pas rencontrer les parents d'élèves, ce serait quand même une faute grave. Hein, les enfants, les parents, les enfants, c'est une composante incontournable de la vie tout court. Hein. Donc être présent pour voir les parents aux entrées d'école, ça peut-être pas toujours facile. Vous avez vu, les gens se précipitent, ils sont pressés. Les enfants sont pas toujours faciles, mais d'une façon générale, on arrive à établir le contact. Vous l'avez vu ce matin avec 3-4 personnes, où on a parlé très librement, par exemple, des rythmes scolaires. Certains l'ont bien vécu, d'autres moins bien vécu. Oui, c'est une façon d'appréhender, je crois, la vie du quotidien. Monte à garde. La politique est un sport de combat et quand un candidat entend devenir numéro un, quoi de mieux que d'avoir avec soi un champion du monde des super moyens? La contre-attaque et boum! Dans le gymnase du quartier Saint-Jacques, la star, c'est lui, l'Auvergnat Hugo Kaspersky, a choisi de soutenir le socialiste Olivier Bianchi, le champion qui s'exprime au bord du ring, une communication coup de poing. Je pense qu'on a des valeurs similaires et puis après c'est vrai que son projet, donc tout ce qui est développement social m'intéresse fortement, même tout ce qui est petite enfance. Enfin bon, avant de m'engager avec lui, j'ai bien suivi tout ce qui est de son... Moi j'ai pas spécialement de parti attitré, mais c'est vrai que l'homme et ses convictions me ressemblent, donc ça a été comme une évidence pour moi d'essayer de soutenir ce brave homme. Bonjour. Bonjour. La campagne est décidément un marathon. Avec son équipe, l'UMP Jean-Pierre Brunaz s'organise ce jour-là l'agenda, le nerf de la guerre. Matin, midi et soir, chaque instant compte, chaque rendez-vous doit faire sens, même une photo avec Carla Bruni. Il lui faut beaucoup d'idées pour rencontrer un maximum d'habitants jusqu'au speed dating. Le principe, c'est réellement, les gens te posent une question, tu y réponds, si tu ne peux pas y répondre, Jean-Pierre enregistre de façon à ce qu'on puisse... C'est le même principe que celui qui veut rencontrer l'âme sœur, quoi. Voilà, on prend 3 minutes, faut séduire. C'est le maire idéal. Le maire idéal. Le maire idéal. C'est du speed dating électeur. Un nouveau maire pour séduire. Le suivi, c'est très important, c'est majeur. Et le suivi rapide, la réactivité, c'est ce qui compte. Mais les gens ont constaté que tu étais réactif. Oui. Ce que je propose comme mesure, c'est de diviser le prix du demi par deux. C'est pas mal. Tu es... hein? Tu gagnes 25 000 voix. Je peux gagner. Et là, on va tendre la main aux étudiants. On va leur donner les moyens d'améliorer leur pouvoir d'achat en leur proposant des jobs, alors sous forme de job dating, etc. Je crois que c'est un point très important. Hein. Demain, nous verrons comment nos candidats promettent une salle de bal, une ville efficace et même des transports gratuits.